Salut à tous, c'est Adrien List. Aujourd'hui, on va parler de la bande-annonce de Napoléon de Ridley Scott qui a été dévoilée il y a quelques jours. Et comme vous pouvez vous en douter, les réactions ont été très enthousiastes. Les gens ont été impressionnés par la qualité visuelle, le casting et la mise en scène. Certains ont même comparé le film à Gladiator, l'autre grand film historique de Ridley Scott. Et il est vrai que la bande-annonce donne des images très prometteuses. On voit Napoléon en train de galvaniser ses troupes, des batailles épiques et des scènes de grande intensité. Voici quelques-unes des réactions positives qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Le trailer de Napoléon est incroyable, Ridley Scott est un génie. Je suis tellement excité de voir ce film, ça a l'air d'être une œuvre d'art. Cependant, il y a également eu quelques réactions plus mitigées et négatives. Le trailer est un peu trop long et ne montre pas assez de contenu. Le film Napoléon de Ridley Scott est prévu pour sortir le 22 novembre 2023, ce qui laisse encore quelques mois aux fans pour se préparer à son arrivée sur grand écran. Les réactions à la bande-annonce ont donné un aperçu des attentes et des doutes entourant ce projet ambitieux. En conclusion, les réactions à la bande-annonce de Napoléon de Ridley Scott sont très variées. Certains sont extrêmement enthousiastes et voient en ce film une promesse de grandeur d'art cinématographique. D'autres expriment des réserves, notamment concernant certains aspects du trailer, tels que sa longueur ou le jeu d'acteur. Comme toujours, il est important de se rappeler que la bande-annonce n'est qu'un avant-goût du film et qu'il faudra attendre sa sortie le 22 novembre 2023 pour juger pleinement sa qualité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Adrien List, votre analyste d'histoire, à la prochaine.